no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo DIY, dans le fond un peu summer, room tour. Fait que dans le fond, j'ai fait 3 DIY quand même assez faciles à faire et je vous laisse regarder avec la vidéo. Si vous avez aimé ça, mettez un thumbs up et on se revoit tantôt. Donc pour commencer, vous prenez votre morceau de tissu que vous avez déjà mesuré préalablement et vous le pliez du côté que vous voulez avoir à l'intérieur. Moi, j'ai décidé de le faire à la machine, mais vous pouvez le faire avec de la colle là-dessus ou de la colle chaude, ça fait la même affaire. Vous collez les trois côtés, n'importe quel, trois côtés, et vous en laissez un pour pouvoir mettre la rembourrure en dedans. Et vous retournez de bord votre morceau de tissu pour avoir la bonne face. Et quand que ça c'est fait, vous prenez votre rembourrage et vous le mettez. Moi, vous voyez que mon trou, il est plus petit. Mon trou. Ça, c'est juste parce que je l'ai cousu pour avoir un moins gros trou. Après, vous replacez la mousse à l'intérieur et vous refermez. Moi, quand que je l'ai faite, j'ai pas fait comme du monde, fait que regardez pas qu'est-ce que je fais, mais faut juste aller par en dedans tout le temps parce que moi, je vais en dedans à l'extérieur, en dedans à l'extérieur, fait que ça fait pas bon. Et c'est tout, vous avez fini votre oreiller. Ensuite, pour le deuxième DIY, vous avez besoin de cabaret que j'ai trouvé chez Homard de Serre. Ensuite, vous prenez de la peinture blanche qui vient de chez Homard de Serre, mais vous pouvez prendre n'importe quelle, c'est juste que j'avais celle-là chez moi. Ensuite, vous peinturez tous les côtés intérieurs et le fond. Vous pouvez aussi peinturer les côtés extérieurs, mais vous n'êtes pas obligé de peinturer en dessous. Vous pouvez faire plusieurs couches si ce n'est pas assez opaque. Et quand vous avez fini de peinturer, vous prenez votre tape que moi j'ai trouvé chez Michaels. Vous prenez dans le fond n'importe quelle couleur, n'importe quel motif que ça vous tente pour créer un motif assez coloré pour l'été. Et ensuite, ce que vous faites, vous prenez votre tape, vous le mettez dans le fond et assurez-vous que ça colle pas sur les côtés de votre cabaret, il faut vraiment que ça reste dans le fond. Et vous faites ça avec toutes les couleurs que vous voulez puis pour créer un motif et vous le faites jusqu'à la fin de votre cabaret. Ensuite, pour le troisième DIY, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller sur Internet, vous chercher des images qui vous inspirent. Ça peut être des images de vous ou simplement de site Internet. Moi, je suis allée sur We Art It et je suis allée prendre des photos que j'avais déjà enregistrées préalablement. Après, ce que vous faites, vous allez sur PicMonkey et vous prenez votre photo que vous voulez, n'importe quelle, et vous la mettez en forme carrée. Puis ensuite, vous pouvez rajouter un cadre qui est noir, mais moi je l'ai mis en blanc. Puis vous faites ça avec toutes vos photos. Vous pouvez aussi les mettre en Polaroid si vous voulez ou en d'autres cadres. C'est comme vous voulez, vous faites comme ça vous tente. Et moi, je l'avais pas mis assez grand mon cadre blanc, fait qu'on le voit pas beaucoup quand il est sur le mur, mais c'est pas grave, c'est beau pareil. Ensuite, ce que vous faites, quand vous avez toutes vos photos, vous ouvrez une page Word. Vous pouvez changer la marge, les marges de page pour avoir plus d'espace puis gaspiller moins de papier. Vous pouvez les mettre un partout. Et ensuite, vous mettez toutes vos photos et vous les rapetissez à la grandeur que vous voulez. Moi, sur mon mur, ils sont 5x5. Donc, j'ai fait ça avec toutes mes photos. Je les ai mis en 5x5 et je les ai imprimées après sur du papier photo. Quand ça, c'est fait, tout imprimé, vous pouvez attendre un peu que ça sèche pour pas faire des... pour que toutes vos feuilles soient massacrées. Puis ensuite, ce que vous faites juste prendre une... Moi, j'avais pris une règle puis un exacto puis je l'avais coupé, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une paire de ciseaux, ça va faire la même chose. Et vous découpez toutes vos photos. Après ça, ce que vous faites, c'est que vous découpez un morceau de corde de la longueur que vous avez besoin. Vous placez toutes vos photos de la manière que vous voulez pour que ce soit le mieux possible pour vous. Ensuite, vous prenez votre tape que vous avez choisi préalablement et vous
ce que vous faites, c'est que vous tapez le devant de votre photo et vous ramenez le reste du tape en arrière de la photo avec la corde. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Thumbs up pour la simplicité. Vous pouvez aussi me taguer dans vos photos Instagram si vous réalisez de ces DIY-là. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour voir la nouvelle série qui s'en vient, qui est Back to School. Dans le fond, je fais plusieurs vidéos en rapport avec Back to School. Donc, ça va être ça. Et je crois que c'est tout. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! J'ai peur de le rater. Ah, c'est crash! Ah, non! Environ.